Bien le bonsoir, chers amis. Que nouveau cette opportunité de se promener à moins 30 degrés dans la forêt. Mais attends, mais il y a de la buée là, il y a de la condensation sur la GoPro. Donc les amis, aujourd'hui, j'ai un style de ouf. Parce qu'il fait actuellement moins 50 degrés. J'ai les mains, elles sont mortes, voilà. Mes mains sont décédées. Donc aujourd'hui, les amis, on va découvrir Minecraft Earth. Parce que j'ai l'accès anticipé comme à peu près tout le monde en fait. J'ai l'impression d'être suivi. Je fais attention parce que vous savez, comme je suis une célébrité, il y a peut-être des abonnés qui sont cachés et qui vont me faire un guet-apens. Hein. La M Company ? Non ? Ah bah personne. Donc là, je me dirige dans la forêt pour la simple et bonne raison qu'il va falloir couper du bois. Hein, Minecraft, le premier truc qu'on fait avec sa main, c'est casser du bois. Alors comme j'ai déjà mal aux mains à cause du froid, je vais pas sentir la douleur, donc je vais pouvoir casser des arbres. Et ça, c'est fantastique. Non, en fait, ça marche pas du tout comme ça, Minecraft Earth, donc on va découvrir ça ensemble. Le style. Oh là là, comment j'ai hâte. Alors, je vais lancer mon téléphone. Hop. Alors, cet homme n'a pas encore conscience que son écran ne sera jamais enregistré. Alors, ça y est, je lance Minecraft Earth. Oh, il y a le son du jeu. Oh, c'est fantastique. L'écran est en cours d'enregistrement, d'accord. C'est totalement faux. C'est une vaste opération, encore une fois. Attention, pensez à être toujours attentif à ce qui vous entoure. Ouais. Oh, c'est trop bien. En fait, il y a plein de trucs autour de nous. Et là, on va déjà commencer. Voilà, vous voyez cet arbre juste ici ? Cet arbre-là, on va le casser, d'accord ? Alors regardez, je tape à ma main, et voilà, tronc de chêne commun, hop, dans mon coffre. Par contre, faut faire attention parce que ce serait con que l'arbre nous tombe dessus. Hein. Bah, j'ai plus de collectable autour de moi, bah, je peux plus rien récupérer. Mais pourquoi ? J'étais où ? Signal GPS non trouvé, non mais là, ils se foutent de ma gueule. Hein. Bon, ah, ça y est, hop, là j'ai de la stone. Alors je casse, et j'ai du champignon, de la diorite, j'ai gagné une émeraude rouge. Alors là, on a un beacon. Oh oh, cette aventure est trop loin de vous, rapprochez-vous pour jouer. Oh, il y a une aventure. Faites preuve de courtoisie entre les joueurs du monde réel lorsque vous jouez. Ah, il y a personne qui joue à ce jeu à part moi là en fait. Ouais, t'es la team rouge toi hein. Ah non, ça c'est Pokémon Go, je me suis trompé. Oh, il y a un cochon. Il y a un cochon là-bas, il y a des vaches. Je vais... Ah ben en plus c'est vrai, parce que c'est un champ ici. Alors il faudrait que j'aille... Mais c'est super dangereux ça, il faut vraiment que j'aille dans le champ là. Ah, il y a des trucs qui viennent d'apparaître là. C'est sur le chemin. Parfait, je vais pouvoir récupérer... Ah bah là. Oh mais ça bug, c'est incroyable. Alors là je peux récupérer de la terre, vous avez vu là. Ah bah c'est celle-là, regardez, je la vois juste ici. Hop, je prends la terre, je casse. Et je récupère, bah de la terre. Des nénuphars, enfin un seul du coup en fait. Oh, si, il y a des trucs qui viennent d'apparaître. Mais en fait ce jeu se fout de ma gueule en fait. C'est-à-dire que je fais demi-tour parce qu'il n'y a rien. Et en fait il y a quelque chose qui vient d'apparaître. Alors ce qu'on va faire, et bah du coup on va refaire demi-tour. Parce que... Oh ouais, je sais où on va aller. Vite, on va aller au beacon là-bas. C'est parti. Allez, on y va, on se dépêche. Hein. Là, on n'a pas le temps. Faut qu'on fasse une vidéo de moins de 10 minutes parce que sinon, on va dire que je veux mettre plein de pubs et tout. Alors, tu comprends que j'ai pas envie de niquer ma réputation alors que je suis en train de me geler les couilles là. Hein. Ça y est, donc là, je suis sur le chemin du bonheur. Non, je suis sur le chemin pour accéder à ce beacon. J'y vais. Et là, regardez, il y a un cheval blanc. Oh, faut faire un vœu. Le saviez-vous, quand on voit un cheval blanc, faut faire un vœu avant de voir sa queue. C'est vrai, hein. Viens voir par là. Est-ce que j'ai une selle sur moi? On peut regarder notre inventaire? Oh oui, j'ai pas de selle sur moi. Je suis désolé, mon pote. Je vais pas pouvoir te monter. Oh là, lui. Alors lui, par contre... Le cheval, je trouvais trop beau d'aller au galop. Lui, il veut se faire galoper, hein. Hey! Oh, t'as une crotte à l'œil. Oh, tu t'es mal réveillé ce matin. Oh, un bloc d'herbe. Je tape. Et j'ai des graines. Deux tournesols. Et c'est tout. Putain, mon coffre, il est vachement grand quand même, hein, pour pouvoir stocker tout ça. Oh les frérots, j'ai gagné un niveau. Je suis niveau 2, c'est sensationnel. Ça y est, j'y suis. On y arrive. C'est par là, c'est juste là en fait. On prend ce chemin et c'est juste ici. Bon, c'est pas mal buggé hein, le GPS, mais là, on est sur le bon chemin. Je m'approche de l'aventure. L'aventure va être incroyable, je clique dessus. Ça y est. Oh, waouh. Oh, c'est super réaliste. Regardez, on croirait vraiment que c'est placé au sol, MDR. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je peux m'approcher? Oh, c'est fantastique. C'est super bien fait, regardez. J'ai un mouton juste devant moi. Coucou. Et on le voit même en vrai, regardez, il est là. Ah non, pas du tout, j'avais cru. Oh non, on en confond les jeux et la réalité hein, avec toute cette technologie. Ça y est, je casse du bois. Hop,
Je casse du bois. Mais quel bonheur. Hop. Alors attends, parce que là j'ai vraiment les mains gelées, en fait c'est vraiment trop con. Voilà, comme ça j'ai récupéré un petit peu de bois. Le mouton, je peux le taper. Oui, je peux taper le mouton. Hop, ça dégage, regardez. Ça y est, hey, tu restes ici. Voilà, je récupère sa laine. Le poulet, ça dégage aussi. Non, va pas dans les feuillages. Non, il est con. Non. C'est bon, je l'ai eu. Il est où son loot? Oh non, mais il est dans les... Oh non, mais regardez, je suis obligé d'aller là, quoi. Je suis obligé d'aller dans les feuillages pour récupérer du poulet. Attendez. Alors, on va faire ça. Comme ça. Voilà. Hey. Comment ça? Vite, je veux récupérer le poulet. Oh, il y a de l'XP. Donne-moi le poulet. Putain, mais quel calvaire. Run. Il y a un sanglier. Alors je rigole zéro, il y a un sanglier et moi j'aime pas les sangliers. C'est incroyable. Bon du coup, j'ai récupéré 5 bûches, une laine et de l'XP. C'est pas mal hein. Alors, on va... Oh putain. Non mais c'est super dangereux de jouer à ce jeu, hein. J'ai failli tomber. Un coffre. Qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, clôture en chaîne, poche d'encre, répéteur de redstone. Ah ouais, regardez, j'ai 10 rubis. En fait, c'est des rubis. Et les rubis, on peut les acheter IRL, donc avec du vrai argent. Ou alors, on les gagne au fur et à mesure. Et on peut débloquer eh bien, des plateaux, vous avez vu. Par exemple, vert pâturage, ça coûte 75 rubis. Ce qui est plutôt cher. On va pas se mentir. Par exemple, on peut avoir pour 2,19€ 40 rubis. Et ça, par contre, si je puis me permettre, c'est de l'arnaque. C'est clairement de l'arnaque. Parce que pour 2,19€ 40 rubis, t'as même pas un plateau. C'est 75 rubis pour le plus petit plateau à acheter, vous voyez. Donc ça voudrait dire 40 x 2. Donc tu mets, on va dire 5€ pour un plateau. Ça c'est de l'arnaque. Sincèrement, je trouve que c'est de l'arnaque. Mais c'est un jeu gratuit, il faut pas l'oublier. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. Une marguerite, hop un cochon. Ah bah je viens de gagner un rubis de nouveau, vous voyez. Ce que je disais, ça monte assez rapidement. Je trouve que c'est quand même, bah voilà. Le mieux c'est quand même de jouer au jeu pour débloquer des rubis. Plutôt que de mettre de l'argent dedans. Hop. Voilà. Alors voilà, oh punaise. Donc là, vous voyez, je peux mettre mon plateau où je veux. Alors, j'aimerais bien viser grand, si ça marcherait. Ce serait pas mal. Ça marche pas? Bon. On va placer. Voilà. Maintenant, il est où le plateau? Putain, j'ai perdu le plateau, il est où? Ah, il est là. Je suis juste au-dessus, pardon. Donc ce qu'on va faire, je vais casser cet arbre. Voilà, j'ai juste récupéré les loot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va terraformer. On va terraformer. Maintenant, on a notre plot. Et maintenant, on va construire notre maison. Alors, j'ai quoi comme bloc? À mon avis, j'ai pas assez de bois, si vous voulez mon avis. Ah si, j'ai 25 bûches. Au total, ça en fait 33. Et ben parfait. On va prendre de la terre, la cobble. Comment je fais? Oh non, j'ai fait crasher le jeu. Non. Attends, dis-moi que c'est enregistré, hein. Mon pote. Bien sûr, hein, c'est enregistré, j'espère. Mais non. Ça va pas enregistré, là? T'es en train de me dire que ça va pas enregistré, mon pote. Arrête. Ouais. J'ai tourné pendant 40 minutes dehors, dans le froid, moins 30 degrés. Bon, j'avoue, j'exagère. Clairement, j'exagère, mais pendant 40 minutes, mon écran n'a pas filmé. Bon, les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je voulais quand même vous faire ce montage parce qu'au final, il y avait quand même des petits moments assez marrants et j'ai quand même filmé avec ma GoPro un petit peu l'écran du téléphone indirectement sans savoir que ça filmait vraiment pas, en fait, l'écran. Du coup, ça va. J'espère en tout cas que ça vous aura plu parce que c'était assez amusant et je voulais quand même vous partager ma découverte de Minecraft Earth et pour donner un petit peu mon avis sur le jeu, je savais que ce jeu allait être comme ça, c'est-à-dire que je savais que ce serait de la construction où on doit collecter des machins et tout, donc j'ai pas eu de déception dans le sens que je m'attendais pas à ce qu'il y ait une aventure avec des strongholds, des zombies à attaquer, tout ça, bien que, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir, il y aura peut-être plein de nouvelles mises à jour avec ce genre d'ajout. Bref, on n'en est pas là, mais dans tous les cas, moi je suis absolument pas déçu de ce jeu, quelques et beaucoup de bugs en fait au niveau de la localisation GPS, ça c'est un petit peu dommage, mais comme dit, c'est un accès anticipé, du coup ça va se corriger, j'imagine, mais ça va, je suis quand même content du jeu et peut-être que vous voudriez que je refasse des vidéos dessus, c'est vous qui me direz ça. Par contre, ouais, plus le temps passe et plus il va faire froid parce qu'on arrive en hiver, donc dépêchez-vous si jamais vous voulez que je refasse des vidéos comme ça, j'ai pas envie de faire ça sous la neige. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, le montage aussi, si c'est le cas, eh bien un maximum de pouces bleus pour m'encourager, puis on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci à tous, c'était Mkolo, ciao tout le monde.